Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young's Reborn. En dessous de cette vidéo se trouve s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez plus nos prochaines vidéos. En cliquant sur Young's Reborn, vous aurez tout simplement accès à notre page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes. Abonnez-vous là-bas aussi et activez la cloche à chaque fois. Mes frères et sœurs. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, ça fait peur. Si vous n'êtes pas prêt à voir les choses pareilles, regardez la vidéo suivante. Parce qu'ici, on parlera du diable, des démons. Mais pas seulement de ça, mais des messages subliminaux. Oui, des messages subliminaux. Qu'est-ce que c'est qu'un message subliminal? Un message subliminal, c'est un message caché, tout simplement, qui a une influence sur les gens. Et à partir de ce message, on peut savoir qui est qui et qui fait quoi. Ça veut dire qu'à partir de ce message, vous pouvez voir l'identité spirituelle d'une personne. Vous savez que la musique est une œuvre de l'esprit. Et quand vous voulez écouter la musique ou une musique, assurez-vous que la personne qui chante n'a pas de problème, Quand on dit n'a pas de problème, il s'agit de son état spirituel, son état d'âme. Est-ce que cette personne est avec Dieu ou elle est avec le diable? Si quelqu'un se lève pour venir vous dire qu'il croit en Dieu, ne discutez pas beaucoup avec cette personne. Ne parlez pas beaucoup, ne la jugez pas sans l'avoir vue au pied du mur. Parce que c'est dans les œuvres qu'on verra vraiment qui est qui et qui fait quoi. Nous allons vous dire qu'aujourd'hui, on parle du pacte avec le diable pour réussir dans l'industrie de la musique. Ah! L'un sorti de dit, ah! Est-ce que c'est forcé qu'on doit forcément passer par le pacte avec le diable pour pouvoir percer dans la musique, mes frères et sœurs, faut pas avoir se mentir. Dis à ton frère qu'à côté, faut pas avoir se mentir. Dis à ta soeur qu'à côté, faut pas avoir se mentir. Mes frères et sœurs, il y a vraiment un truc. Si tu as réussi sans faire le pas, Dieu soit loué. Mais nous, on ne parle pas beaucoup, on regardera tes œuvres pour voir qu'est-ce que tu fais vraiment dans tes clips. Parce qu'à partir de ce que tu montres au travers de tes clips, on saura si tu es avec Jésus-Christ, si tu es avec Dieu, ou tu fais semblant de dire aux gens, tu adores Dieu, or en réalité, c'est le diable que tu sers. Mes frères et sœurs, quand les gens arrivent chez le diable et qu'ils veulent percer, ils font un pacte avec le diable. À côté de cet instant, ces gens-là deviennent des serviteurs du diable. Une fois que c'est fait, ces gens-là vont répondre à certaines choses, à certains critères. Ce que le diable a demandé de faire, c'est ce qu'ils vont faire. D'abord, ces gens vont perdre leur valeur morale. Ils n'auront plus à publier, à faire les éloges des bonnes œuvres. Mais ces gens-là feront tout ce qu'il est possible pour salir tout ce qui est bon. Ces gens-là vont parler de sexe, de leurs clips, d'argent, la cupidité. Ils vont faire la promotion de l'alcool. Comment les gens doivent boire? Ils peuvent même vous dire que leur source d'inspiration, c'est l'alcool. Mais allons-y pas à pas. Suivez-nous. Allons au studio maintenant pour voir les vraies choses. Si vous n'avez pas 18 ans, regardez la vidéo suivante aussi. Parce que vous risquez d'être un peu... d'être dans une autre dimension avec ce que nous allons voir. Ce n'est pas pour les enfants. Mes frères et sœurs, quand vous regardez ces clips, même les clips que nous allons montrer, les images défilent rapidement. C'est pas pour rien que les images défilent rapidement. C'est vrai, quand les images défilent rapidement, tes yeux physiques ne peuvent pas percevoir les messages qui sont à l'intérieur facilement, les messages cachés facilement. Mais tu peux utiliser les logiciels bien adaptés pour capturer des images. C'est pourquoi nous avons fait des captures d'images pour vous montrer
ce que vous devez savoir, les choses que vous laissez passer et qui entrent en vous, qui vous amènent même à commettre des péchés. Il y a même des danses qui nous font danser comme des gens qui sont en train d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Bon, mes frères et sœurs, quand je parle de certaines choses, ça fait mal parce que c'est le monde qui se perd et des millions d'âmes sont en train de se perdre. Notre travail, c'est de sauver des vies. Les pasteurs, les hommes de Dieu doivent se réveiller. Il y a du boulot. On vous l'a dit. Si vous avez peur du diable, des démons, des esprits, des histoires de pâtes avec le diable, regardez la vidéo suivante. Est-ce que c'est fait? Bon. Si vous êtes là et que vous continuez à regarder jusqu'à ici, c'est que vous êtes prêt à voir ce que vous allez voir. Suivez-nous. C'est pas pour les enfants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les clips. Regardez ça. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, ce sont les messages cachés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé signifier? Si on vous montre cette image, par exemple, que direz-vous? Sans doute vous direz, ah, la fille, elle a quel problème? Pourquoi joue-t-elle avec la banane là comme ça? En ce moment, vous allez vite comprendre, parce que vous savez que ça ressemble fortement à l'acte que les femmes aiment faire aux hommes, ce qu'on appelle même la fellation. Maintenant, quand vous voyez ça, à quoi pensez-vous? Regardez bien. À quoi pensez-vous? Qu'est-ce que ça, c'est censé signifier? C'est là, on va parler de messages subliminaux. Que certains comprennent et d'autres pas. Ici, notre travail sera de vous expliquer en clair qu'est-ce que ça, c'est censé signifier. Pour ne pas oublier, nous allons vous dire en même temps. Un œil fermé comme ça, comme vous le voyez ici, signifie The All Seeing Eye, autrement dit, pour dire en français, ça signifie l'œil qui voit tout, c'est un œil luciférien. Et quand tous ceux qui représentent cet œil-là montrent déjà leur appartenance au diable, là même, c'est même clair. Il n'y a plus rien à faire. Et ça, on trouve sûrement tous ces éléments-là dans les clips, des messages cachés dans les clips. Ça défile très souvent, très vite. Et vous allez comprendre d'abord cette chose que nous sommes en train de raconter depuis. Cette histoire de pacte avec le diable. Écoutons cette star. En plein conseil, cette star dit, j'ai vendu mon âme au diable. C'est la priorité, c'est là que ça commence d'abord pour pouvoir atteindre le sommet. Toute personne dans l'industrie de la musique profane qui veut vraiment atteindre le sommet, mes frères et sœurs, cette personne doit absolument passer par là. Parce que la musique profane n'est pas une musique sacrée. C'est pas une musique sacrée. C'est pas une musique qu'on peut utiliser pour adorer Dieu. Vu même tout ce qu'on montre dans les clips, les femmes qui dansent comme si elles sont en train de coucher avec les hommes. De toute façon, vous allez comprendre tout ça maintenant. Déjà, cette personne a dit, j'ai vendu mon âme au diable. Je sais que c'est un deal pourri. Lui-même, il dit, je sais que c'est un deal pourri. Du genre pour dire, je sais que c'est mauvais. Mais ça vient avec quelques jouets ou outils. Comprenez par là que cette personne est en train de parler de tout ce que vous connaissez. Les bijoux en or, en diamant, tout ce que vous connaissez. Beaucoup d'argent surtout. Oh, les gens aiment beaucoup d'argent. Les belles voitures. Oh, les voitures de luxe, de grandes maisons, ouh, la gloire, tout le monde m'applaudit, tout ça, c'est ça. Et il dit que ça vient comme un Happy Meal, ce qui veut dire une grosse surprise. Et il a parlé ainsi, hein, pendant qu'il était de parler là, les gens sont dans le stade, bon, au concert, et ils sont en train de crier de joie. Wouh! Wouh! Les gens ne savent pas ce qui est en train de se passer, ce qu'ils viennent d'entendre. Ils pensent que c'est un jeu. C'est un jeu. D'ailleurs, parce que c'est un jeu. Nous sommes en guerre sur cette terre. Il y a une guerre entre le bien et le mal. Et ce que le diable est en train de faire, c'est d'utiliser les stars pour détruire le monde. Surtout les stars de la musique, là, mais c'est grave. Ici, vous allez comprendre que ce n'est pas de la blague. Un homme qui se trouvait dans ce domaine-là va nous raconter ce qu'il a vécu et
qu'est-ce qui s'est passé avec lui et comment est-ce qu'il a failli vendre son âme au diable. Écoutons-le, regardez déjà ici, il dit quoi. Il dit le top, c'était d'être sur scène et d'avoir le contrôle. Des gens pour lui, être sur scène, chanter, les gens le regardent, c'est comme contrôler tout le monde. Il dit la vénération de la richesse et les gens vous regardent en disant waouh, j'aimerais être à sa place. Et en tant que leader d'un groupe de heavy metal, Kirk Martin projetait une image violente et sauvage sur scène. As leader of a heavy metal band, Kirk Martin projected an angry, wild image on stage. Et fait crier à ces milliers de gens des obscénités. C'était le pied. Fait crier à ces milliers de gens des obscénités. C'était le pied. En fait, dans leur monde, parler des choses bizarres qui ne sont pas du tout de Dieu, qui sont contre notre valeur morale, c'était un plaisir pour eux. C'est ce qui faisait le buzz chez eux. Ils parlent de sexe, comment les gens doivent coucher avec les sexes. Un jour après le concert, une star qui pose une question à ses fans: est-ce que après le concert vous irez coucher avec une femme? Ou dites-nous avec qui vous faites les choses. C'est dommage. Et ici on nous dit que en dehors de la scène, les gens le trouvaient juste méchant. Là on parle de cet homme, de son histoire et ce qu'il faisait. Regardez comment il était vraiment arrogant, orgueilleux, tout ça mélangé. Les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi réagit-il ainsi? Et il nous dit, j'étais tellement rempli de haine que je projetais cette haine sur beaucoup de monde, sur les membres du groupe. Deux des membres du groupe, quand on était en tournée, à mes côtés, ils n'en pouvaient plus et ne me supportaient plus. Ils ont même quitté le groupe. Mais le message véhiculé par la musique de Kirk avait une forte emprise sur le public. Et il dit, tout mon public, c'était de dire aux gens, tout mon but, c'était de dire aux gens, croyez en vous, suivez votre vision des choses, vos rêves et démolissez quiconque se met sur votre chemin. Ça, c'était l'esprit, le message de ces chansons. Wow. Kirk ne se faisait aucune illusion sur l'origine de son succès grandissant. Je me suis mis par terre et ai gratté le sol. Là, il va nous expliquer comment il a failli faire son pacte avec le diable, mais comment même son pacte avec le diable a commencé. Et il dit qu'il a mis sa main sur la terre et il dit, j'ai dit à Satan que s'il faisait de moi un dieu, qu'il me donnait les femmes, la drogue, la célébrité, tout, et le pouvoir d'écraser les gens, je le servirai jusqu'à la fin des temps. Vous avez entendu ça? Ce sont ces paroles qui sont là. Je reprends. Il dit, j'ai dit à Satan que s'il faisait de moi un dieu, qu'il me donnait les femmes, la drogue, la célébrité, tout, et le pouvoir d'écraser les gens, je le servirai jusqu'à la fin des temps. Give me the women and the drugs and the fame and
and everything, and you give me the power to crush people, I will serve you until the end of time. Within 2 days, I... Et il dit par la suite, en 2 jours, on m'a proposé un contrat d'enregistrement. I was offered a recording contract. Well... Pendant que quelqu'un recherchait la richesse et la fortune, il essayait de garder un secret enfoui au plus profond de lui. En fait, dans son enfance, il avait été violé. Bien. Et cet homme-là, quelques temps plus tard, il va connaître un succès fou et plein de choses. Mais sur le chemin, il va rencontrer Dieu. Et beaucoup de choses vont se produire par la suite. Nous voulons juste attirer votre attention sur le fait que pour pouvoir atteindre, avoir la gloire, le succès et toutes ces choses que nous voyons dans ce monde, parfois les gens font de ces trucs bizarres. Là maintenant, nous allons venir au message caché. Au message caché. Bien, nous allons vous montrer un truc très intéressant qui va permettre de comprendre certaines choses. Déjà, nous vous avons montré à l'introduction de cette vidéo cette image que nous allons vous montrer encore ici. Regardez bien cette image là. Comme vous voyez, voilà. On voit ici une personne, une femme qui est là, et elle a caché un œil. On vous a dit que ça signifie l'œil qui voit tout. Et à chaque fois de la clip, les gens vont tout faire pour salir les valeurs morales. De sorte que c'est un effet sur le public. En même temps, le diable demande de laisser sa signature. Et ce sont ces signatures qui sont là, représentées sous forme de messages subliminaux que certains comprennent et d'autres pas. Une autre star va nous expliquer cette histoire. Écoutons-la bien. Non, c'est quoi le prochain si ce n'est pas un clip? Parce qu'en fait, si ce n'est pas un clip, c'est des clips. Non, c'est quoi le prochain si ce n'est pas un clip? Parce qu'en fait, si ce n'est pas un clip, c'est des clips. Non, ce n'est pas des clips. Alors les clips, merde alors. Non, attention, ça ne veut pas dire. Attention, il faut remettre les choses au nom. Si ce n'est pas un clip, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip. C'est autre chose. Là, ils sont en train de discuter sur son clip. Celui qui lui pose la question, il lui dit, mais c'est quoi le prochain clip? Il lui dit, mais c'est ça, ceci n'est pas un clip. C'est pas que c'est moins bien qu'un clip, mais... Il dit que ce sont des images qu'il diffuse. Ça veut dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip, c'est quelque chose. Il dit c'est une chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. C'est un concept que l'homme. Ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, ça va c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je prenais des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips. Il dit qu'il travaille sur la musique, il doit fournir des clips. Mais ce qu'il a en train de produire maintenant, ce ne sont pas des clips. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Écoutez-le bien. Ce sont des images avec des messages subliminaux. Ce sont des images avec des messages subliminaux. Que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Que certains arrivent à détecter et d'autres pas. C'est-à-dire que si vous savez ce que signifient ces messages-là, vous êtes content. Sinon, si vous ne savez pas, ça peut avoir des effets sur vous. Et tant pis pour vous. Écoutez. Ils ne vont pas rentrer dans des rats, ça veut dire que ceci n'est pas un clip. Ce sont des images que je diffuse. Ça veut pas dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip, c'est quelque chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. C'est un concept que l'homme. Ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, ça va, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je prenais des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok. Tout simplement. Bien. Ce sont des images avec des messages subliminaux que c'était arrivé à détecter et d'autres pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont ceux qui sont intelligents, qui font des recherches, qui savent réellement ce à quoi ils ont affaire. Maintenant, nous avons poussé nos recherches pour chercher à savoir clairement qu'est-ce qui a lieu dans les clips et que se passe-t-il en réalité. Quels sont ces messages subliminaux? Vous allez voir des images tirées d'un clip. Vraiment, vous serez surpris parce que nous avons découvert. Vous allez voir que quand les gens disent qu'ils rendent gloire à Dieu, les gens de la musique profane, ils sont échappés pour la musique profane, même montrer les fesses des femmes de leur clip. Et ces gens-là disent que eux, ils adorent Dieu, que c'est Jésus. Bon, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas aller trop vite, mais il y a un truc qui m'a tellement choqué
que je dois vous montrer ça. Regardez ça. Quand vous le voyez, c'est pas de la balle, pas de la frime. C'est bien réel. Une femme, elle est assise comme ça sur une chaise dans un clip. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas dire qu'elle va se mettre à danser. Mais quel genre de danse? Mais ce sont des gens de danse qui font bouger les fesses là. Vous voyez? Ça fait bouger les fesses. Déjà, une femme qui s'habille de façon sexy comme ça, elle est nue devant Dieu. Là, c'est grave. Et regardez ce que ces femmes-là font. Elles sont juste là comme ça, en train de danser, et ce sont les fesses qui remuent. Est-ce que vous voyez? Regardez bien. Là, ce sont les fesses qui remuent, et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Regardez encore là. On voit encore lui-même, un homme, avec une femme, et la femme danse sur lui, et ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Bon, peut-être que vous ne comprenez pas ça, mais regardez cette image. Voilà. Un homme qui est collé à une femme juste là derrière. Comme ça. Les musiques que les gens font dans la musique profane, là, ce qu'ils font là, ce sont des choses qui viennent pour salir les valeurs morales. C'est ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et après ça, ils vont dire que eux, ils croient en Dieu, ils sont chrétiens. C'est pas possible, ils sont pas croyants du tout. Tu peux pas être croyant et faire des trucs pareils. Et ça pousse les jeunes, les gens à chercher à savoir, mais qu'est-ce qui se passe lorsque un homme va vers une femme? Et c'est l'acte sexuel que les gens sont en train de transformer en danse. Ça devient des danses. Regardez même ça. Ça, c'est quoi? Le twerk. Regardez comment les gens nous présentent les fesses. Regardez comment même celle qui est là-bas, elle s'est penchée comme si elle même plus se pencher demain encore. Regardez ça. Ah! Qu'est-ce que c'est? Regardez. Et ça remue. Voilà. Et ça, les gens appellent ça le twerk. Et voilà, là, vous voyez mieux, non? Voilà. Et les gens appellent ça le twerk. Ça danse. Ça remue les fesses. Regardez ça. Quand toi, tu vois ça, tu penses à quoi? Et une personne qui fait ça, elle dit qu'elle prétend être chrétienne et qu'elle croit en Dieu. Qu'une personne qui dit vraiment qu'elle croit en Dieu fait tout pareil, même dans ses clips. C'est que le Dieu dont cette personne est en train de parler là, ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu ne peut pas permettre que ses enfants se comportent ainsi. C'est pas possible. Et ça, c'est ce qu'on appelle les messages subliminaux qui se trouvent dans les clips. Ça, c'est le sexe. Ça parle du sexe. C'est dangereux, hein? Regarde comment les gens sont dansés. Si toi, tu danses de telles danses, ma soeur, je vais te dire, tu es dans les problèmes. Parce que Dieu ne va même pas te permettre d'entrer au paradis. C'est-à-dire qu'à partir de là, déjà, les gens sont se préparer à aller en enfer. Et quand on parle des messages subliminaux, il y a aussi ça. Vous voyez? On voit dans sa main ça. Regardez bien, ça fait 666, c'est 666 ça, formé de la main. Or, les gens prétendent adorer Dieu. Là, on voit qui est le Dieu que les gens sont en train d'adorer. Si vous voyez tous ces signes dans un clip ou dans une musique profane, sachez directement ce que vous êtes en train de faire où vous êtes. Parce que ça, ce sont les choses des démons. Ce sont les choses des démons. Et vous allez voir l'un des messages subliminaux qu'on vous a montré même au début. Regardez bien ça. Que voyez-vous? On voit une personne dans le clip qui a fermé un œil et a ouvert un autre œil. Ça vous rappelle rien? The all-seeing eye, l'œil qui voit tout, l'œil du diable, ce qui montre l'appartenance des gens au satanisme. Est-ce que vous croyez toujours que c'est une coïncidence? De toute façon, vous devez savoir ça maintenant. Et ça c'est quoi? Vous n'avez pas me dit que vous ne connaissez pas ça? Mes frères et sœurs, sachez ce que vous êtes en train de faire. Que personne ne vienne vous mentir pour vous dire que qu'il croit en Dieu, ou qu'elle croit en Dieu, je suis chrétien, je suis comme ceci. Mais regardez les clips, regardez juste les clips. Quelqu'un, regardez juste les clips. La plupart des temps, certaines personnes viennent dire, oh, telle célébrité a son âme au diable. Vous regardez ça comme ça, puis allez juste regarder les œuvres de ces stars pour voir si leurs œuvres correspondent à ça. Les chansons, les clips, où on voit les gens qui sont presque à l'axe sur eux, mais regardez ça. Est-ce que Dieu accepterait ça? Si Dieu n'accepte pas ça,
Sachez ce que vous êtes en train de faire. Ne vous mentez pas à vous-même. C'est réel. Ne vous mentez pas à vous-même. Regardez, regardez. Ou bien vous voulez qu'on vous fasse un dessin ou quoi. Regardez bien. Voilà. Les femmes, les hommes qui attrapent des filles, coller la petite, coller la petite. Voilà. C'est une nouvelle danse. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est ce que le diable aime. Et c'est ce qu'il veut que les gens qui sont dans la musique profane, font. Juste pour salir, détruire la vie des gens. Les jeunes vont commencer à avoir des rapports sexuels à un âge très bas, alors qu'ils devaient penser à leurs études. Et regardez ça. En plus, les gens blasphèment. Revenons en arrière. Regardez ça. C'est un véritable blasphème qui est là. Avez-vous vu quelque chose? Vous allez le comprendre. Regardez bien ça. Regardez bien la main. Vous allez voir la main. Voilà. Vous voyez le doigt? Ça c'est la main cornue. C'est un signe qu'on a étudié hier dans la vidéo précédente de ce type. On voit la main cornue, du genre le corne du diable. C'est un signe que les satanistes utilisent pour se saluer en eux ou pour appeler le diable. C'est un signe qui les appartient. Et là où vous voyez tous ces signes, c'est que ce n'est pas Dieu qu'on adore, c'est le diable. Et quand on voit ici, qu'est-ce qu'on voit? Du genre Jésus, avec un 666 représenté avec le doigt. Ce qu'on appelle un message subliminal, c'est ça. Ceux qui connaissent ce message subliminal, ils savent déjà à qui ils ont affaire. Ils connaissent déjà à partir de ces symboles-là quel est l'état d'âme de la personne qui est en train de chanter. Et qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un montre des fesses des femmes nues, des gens qui sont en train de faire accoucher avec d'autres femmes dans l'équipe. En même temps, il y a Jésus. Ça, c'est un véritable blasphème. Parce que chez eux, faire le bien, le mal, c'est leur habitude. Il fait du sale et il te parle de Dieu. Il fait du sale, il parle des mauvaises choses, mais des femmes nues, des femmes comme ce que vous voulez vous montrer, comme ça. Et regardez, c'est dans le même clip. Hein. Il y a ça dans le clip. Voilà, là c'est palpable. Il y a ça dans le clip. En même temps, il y a Jésus, juste là à la fin. Genre pour dire que lui rend gloire à Dieu, ou encore gloire à Jésus. Est-ce que Jésus peut permettre un truc pareil? C'est Jésus qui est là comme ça? Mes frères et sœurs, ces gens vont vous mentir. Si vous parlez de Dieu et parlez de Jésus-Christ, c'est pour que vous soyez bernés, c'est pour vous avoir seulement. Sinon, en réalité, regardez les œuvres. On reconnaîtra le vrai pasteur par ses œuvres. Le vrai homme de Dieu, on le reconnaîtra par ses œuvres. Par ses fruits, non? Et vous serez reconnu par les fruits. Dès que vous voyez ça, et que vous continuez à vous mettre à regarder de tels clips, même à aimer de regarder jusqu'à toujours voir, même on voit encore plus qu'il y a des problèmes. Toutes ces images que nous sommes en train de vous montrer sont des images qui défient rapidement, genre comme ça, rapidement, que beaucoup de personnes ne peuvent pas percevoir facilement. Il faut utiliser les logiciels bien adaptés pour pouvoir détecter tous ces messages qui sont là. C'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. Maintenant, écoutez très bien ce que cette personne a dit. Écoutez très bien ce qu'elle a dit. Écoutez encore très bien. C'est quoi le prochain? Ce n'est pas un clip. Parce qu'en fait, ce n'est pas un clip, c'est l'équipe. Non, ce n'est pas un clip. Alors l'équipe, bah merde alors. Non, attention, ça ne veut pas dire. Attention, il faut remettre les choses en ordre. Ceci n'est pas un clip. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip. C'est autre chose. Vous comprenez? Il ne faut pas rentrer dans des gars, ça veut dire que ceci n'est pas un clip. Ce sont des images que je diffuse. Ça veut pas dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip, c'est quelque chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. C'est un concept que l'homme. Ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, ça va rester, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je connais des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Okay. Vous avez vu? Ce sont des images avec des messages subliminaux. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi les clips? Dans les clips, vous voyez les images qui défilent rapidement. Et vous pensez que c'est de la blague. C'est fait exprès. C'est même fait, même plus que exprès. Regardez même ça. Sur scène, dans un concert, regardez ce que les gens sont en train de faire. Et les gens parlent de Dieu après. Et on vous dit qu'ils croient en Dieu. Oh, regardez ce qu'ils font.
C'est ça que vous devez regarder. Vous ne devez pas écouter ce qu'ils sont en train de vous dire. Tout ce qu'ils sont en train de vous raconter sont des mensonges, des purs mensonges. Quand les gens disent, je crois en Dieu, je parle de Dieu, je parle de Dieu, et tu parles de Dieu et tu fais des trucs pareils. Comment Dieu va t'autoriser à entrer au ciel? Les gens doivent se répandre pendant qu'ils sont vivants et éviter les histoires. Mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de vous montrer, c'est réel. Regardez, c'est l'occultisme aujourd'hui. C'est l'occultisme. Parce que les gens disent qu'ils ont vendu les âmes au diable. Automatiquement, vous devez vous mettre dans la tête que ces gens-là maintenant s'affectionnent aux yeux du monde des ténèbres. Comme les démons. Et ce sont les fans ou encore le public qui vont en souffrir. Ils vont vraiment souffrir. Parce qu'ils vont vous faire danser comme les démons. Ils vont faire danser en fait comme des morts vivants. C'est réel. Faites attention à tout ça. Faites attention à votre vie, quoi. Mais frères et sœurs, faites attention. Faites vraiment, 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 vraiment attention. Est-ce que moi, je savais ces choses avant? Je ne savais même pas que ça existait. Mais quand je découvre ça, je suis étonné, je suis même épaté, je suis même dépassé. Parce que c'est même plus réel que réel. C'est même plus réel que réel. Faites attention à votre vie, mes frères et sœurs. Faites attention à votre vie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur la terre, comme le bras gauche et le bras droit, il y a deux groupes de personnes qui se trouvent dans l'industrie de la musique. En fait, de toute façon, l'industrie de la musique que vous connaissez, ça chante pour le diable aujourd'hui. L'autre groupe, ce sont les chrétiens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et passe le temps à louer Dieu parce que tous ceux qui veulent aller au paradis de leur vivant, ils doivent louer Dieu et l'adorer de tout leur cœur, de toute leur force, même en esprit et en vérité. Parce que ce qu'ils font sur la terre, c'est ce qu'ils continueront à faire après leur mort. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à regarder des clips où les gens se mettent nus, montrent les fesses, les seins, ils dansent du twerk. Ça t'apprécie jusqu'à toi-même, tu es le gars qui regarde, voilà. Aïe, 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 la fille se bouge comme en haut. Et tu aimes ça. Avec des symboles, des messages subliminaux, comme les 666 représentés avec la main. Et les mains connues pour. Ce sont des signes des sorciers. En écoutant de telles musiques, même en dansant sur le sud de tels sons, tu risques de manquer le ciel. Juste à cause de ça. Vous n'imaginez pas quel pacte ces gens-là ont dû faire. Pour arriver à ce stade. On dit que j'attends telle personne est le numéro 1 du pop, le numéro 1 du rap, le numéro 1 du coupé décalé, le numéro 1 de telle chose. Et tu regardes la chose, c'est la musique profane. Va un peu loin. Regarde les clips. Si tu vois dans les clips, les têtes des morts, les femmes qui dansent bizarrement comme ça, sache que le diable est là. Et les packs sont signés. C'est réel. Abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo maintenant. Et sois prêt pour la prochaine vidéo.